34-82. Valium. 41-35. Valium. 47-21. Percodan. 51-32. Percodan. 52-29. Largactyl. Bonjour Canada, parade des médicaments. Les premiers entretiens de M. Alpha avec les autorités canadiennes ont duré ce matin. Hey, Coma. OK. OK, vas-y. C'est pour la comique. Ah, rien, là. Et le pic. À soir, on sort. Maman, ta passe.
J'ai marqué de la paint shop au gymnase. T'as pas d'affaires ici. Parce qu'un matin, on est venu faire un petit job, j'avais oublié des outils. Ouais. Au mur. Chris, c'est fin de jour, calice. Ah, c'est écœurant. Fais tomber toi. Ouvre la bouche. Plus grand. Lève la langue. Plus grand. Sors la langue. Tourne toi. Penche-toi. Plus que ça. Écarte les fesses. Envoyez, envoyez, écarte. OK. Les pieds. Lève les pieds. Plus que ça. L'autre. Plus que ça. OK. Pas bien, à l'écoute. Pas bien terminé. Ouais, la vie, toi. Grouillez-vous, les boys, ils vont arriver bien vite. Ah oui, on lâche. N'oublie pas d'emmener le chariot dans l'autre loge, hein. Qu'est-ce que j'ai à chienne? J.J. Gagnon. Votre nom, s'il vous plaît? Pat Marteau. C'est bon. Méo Mongrain, comme dans Roméo Mongrain. Belle ta moustache. Tu devrais la garder avec la couleur de tes bottines. Oui, tu me l'as faite l'année passée, celle-là. Bien, ça va. Il est sur tout. Eh, monsieur Leroux, ça fait longtemps qu'on vous a vu, vous. Je me suis ennuyé de vous autres, je peux pas savoir. Qu'est-ce que ça a l'air? Parfait. Imparfaite. L'argent? J'ai demandé à Boyer de le cacher. Loulou. Rose. Moi, je suis danseuse. Toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis journaliste. C'est la première fois que tu viens en prison? Ouais. Moi aussi. Sylvie Nantel. OK, suivant. Porte-nous, mademoiselle. Maurice, mon trésor. Maurice Leblanc. Je te dis tout de suite, j'aime mieux le brun. Les bleus, c'est un paquet. Mais les noirs, ça vaut deux paquets.
C'est qui avait une noire avant? Tu sais, la petite danseuse au show de la Saint-Jean? C'était à elle. OK, là-bas, donne-moi une noire, on va te payer tout à l'heure. Avec des lunettes. Elle s'appelle Marie-Josée Drouin. D'après Tiwi, c'était près de 16 à Pierrot. Garde la grosse avec la robe rouge. Mais tu m'écoutes-tu, toi? Oh oui, capote pas. Marie-Josée Drouin, une petite avec des lunettes. Là. Tu vas l'avoir, ta passe. Calisse que je me mettrais. Hey, check le cul de la petite blonde, toi. T'as pas de goût. Regarde la mienne. Avec ça, au moins t'en as pour ton argent. T'en pognes à chaque bord. Tiens, ma tabarnak! Salut. Je m'appelle Jacques. C'est ton chum qui m'a envoyé. Comment est-ce qu'il va? Il prend ça dur, là, ce temps-là. Je le connais. Il est pas capable de faire du temps. Quand on a réussi à te mettre ça à la liste, ça l'a recrinqué. Quand est-ce que je vais pouvoir le voir? Aussitôt que le show va commencer. Ah, c'est moi, t'as ouais, c'est nous autres qui a tout arrangé ça. Quoi? C'est le comité des détenus qui organise le spectacle? Ben oui. Je comprends pas. Ben, pour quelqu'un dans des arts, ça peut avoir l'air drôle, là, mais ça fait partie des programmes de réhabilitation, comme ils disent. Et qui ça, I? L'administration de la prison. C'est extraordinaire. Ah oui, oui. Ils sont bien bons pour les boys. Hey, c'est quoi? J'ai réussi à sauver celui-là. Tu le passeras aux autres. OK. Si vous voulez, vous jouez la bille. Ah, ben. Oh, oh. Là, le party commence. Avec quoi vous faites ça? Ça dépend. Avec ce qu'on peut trouver à la cuisine. Celle-là est faite avec du jus de tomate. Ouais, c'est pas pire. C'est quoi ton nom? Moi, c'est Bessic. Loulou. Tu veux-tu des pinottes, Loulou? Calvin, où c'est que vous prenez tout ça? Ah, oh, tu sais, 400 voleurs en zambe. Je suis pas voir un, puis t'es correct. Vous pouvez y aller, terminé. Hey, les boys, moi, à votre place, je resterai pas dans la porte parce que ça va être laid. Ah oui, ah oui, grouille-toi, Goma. Ah oui, grouille-toi.
Voyez, là, le grain avec la toupette d'Elvis, là, les bras en l'air, ça, c'est le directeur. C'est un sale. La femme à côté de lui? Ah, oh, je vois qu'est-ce que c'est. C'est une salope. Ça doit être sa femme, hein? Et lui, là, avec le col roulé? Ah, ça, c'est le père Miro. Mais lui, c'est un bon gars. Je me demande ce qu'il fait avec la gang, c'est pas son genre. Boyer, pas avec toi? Mais non, je l'ai pas vu. Attends-moi, je vais aller voir. Lui, là, au fond? Ça, c'est le psychiatre. Lui, sa casquette, il l'a dans la tête, asti. C'est sale. L'autre à côté, là, je sais pas ce que c'est. C'est sale. Des sales. De l'autre côté, ben, t'as les officiers de classement, les psychologues, les criminologues. Toutes des sales. Si je comprends bien, d'après votre ami, tout le monde ici est un sale. C'est tous des gardiens. Alors c'est tout blanc ou tout noir? Vous trouvez pas ça un peu simple comme raisonnement? C'est peut-être simple, mais c'est ça. En prison, il y a deux gangs. Il y a ceux qui sont dans la cage, puis il y a ceux qui barrent la cage. Le gars qui a les clés, là, pour moi, quand même, ça serait un bon gars. Ça change pas la réalité, ça. C'est quoi, pour toi, la réalité? La réalité. C'est ça, la réalité. Ça, c'est ça, la calice. Avec ça, la soirée pourrait être longue. De toute façon, vous n'avez pas de place à aller à soir. Garde. Garde. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, voyez? Vous pouvez pas me mettre deadlock à soir, hein? Pas un soir de party. C'est pas moi qui fais le règlement. Mais oui, mais bon, t'en essayes de comprendre. Pas ici pour comprendre, je suis ici pour faire ma job. Tu connais le règlement. Pas de cash en prison. Essayez donc d'être humain pour une fois, hein? Vous m'enverrez dans le trou de main si vous voulez, mais pour asseoir, laissez-moi une chance. C'était même pas à moi, cet argent-là. Ah non? C'était à qui de bord? Je suis pas un stool. Tabarnak. Ça pas de cœur, hostie. Pour 50 piastres, ça pas de Christ, bon sang! Maudit Christ, laisse-moi sortir, mon sac de cochon! Ouvre ma porte, gros sale! Et reste en dégoût! Fond de poubelle! Christ de pourri! Que j'ai pas de chance, mon Christ de plein de marde! Ma pense au cash, en hostie! Ma sortir de suite! Avec une étiquette avant la grosse attaille! Notre caisse, calibre 38! On est pas venu ici pour balancer les têtes. On est pas venu ici pour éteindre le feu. C'est pour avoir votre peau. On a bien des fuses à faire sauter. On a bien des blues à déboutonner. Que le soleil se couche à l'ouest, notre rock and roll va faire le reste.
Relax, bonhomme, elle vaut 300 piastres, c'est moi. C'était trop. Je l'ai bandé à journée longue. Je m'excuse de te raconter ça, peut-être que... Bien correct. Je connais pas ça, moi, les femmes. J'ai passé toute ma vie en prison. Quel âge que t'as, là? J'ai 40 ans. J'étais en prison depuis l'âge de 18 ans. Là-dessus, je suis sorti 6 mois il y a 5 ans. T'es resté dehors juste 6 mois? Puis avant ça? J'étais à l'orphelinat. Puis après ça, 3 ans à l'école de réforme. Quand je suis sorti, là, c'est comme si j'avais été sur la planète Mars. Je suis resté trop longtemps en prison. Je m'étais fait une blonde. Une journée, en rentrant chez nous, je l'ai trouvé avec un autre gars. Dans la lutte. C'était une police. Moi, quand je tombe dans les bleus, je suis bien mauvais. J'ai crissé un coup de poing. Juste un. Il s'est jamais réveillé. Il est dans le coma, ça fait 5 ans. Tout ce temps-là, tu devais bien rêver à quelque chose. Rêver. Il n'y a rien que ça à faire, c'est rêver. Dans ma tête, j'avais une liste longue de même. Je voulais aller en Floride, voir la mer, Disney World, tout ça. J'aurais aimé ça aller jouer à Las Vegas. Je t'ai dit, c'est... Voir les chutes Niagara. Ça fait de même, aller dans l'Ouest en train. En fin de compte, je suis allé aux expos. Deux fois. Ah oui, puis une fois, on est allé manger chez Dad Giovanni. On a passé une crise de belle soirée. Le reste du temps, je travaillais. Puis le soir, je restais chez nous à regarder la TV. Il dit, hey, le screw! Il dit, mon steak, c'est du steak de cheval. C'est comment ça, c'est du steak de cheval? Ben oui, j'ai crié « wow », puis il a reculé dans la sienne. Boyer s'est fait pincer avec le cash. Chris. Ben, je le connais, il parlera pas. J'ai acheté une belle bourse de soirée, là, ce qu'il y a de plus chic, là. Longue de rêve. J'ai payé 3 500. Tu vois, là, une bourse de soirée, 3 500, c'est 23 ans. Attends, là, tu sais que tu dors pas. T'as frotté un peu, là, puis ça te fait une valise longue de même. Ils l'ont mis deadlock. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, deadlock? Il est enfermé dans sa cellule jusqu'à demain matin. Il pourra pas venir. Mais pourquoi?
qu'est-ce qu'ils ont ces chiens-là? Pourquoi qu'ils nous lâchent pas, gang de tabarnak? Arrête de venir sans votre gazé! Qu'est-ce que gros sale? Okay, slack, slack. Jesus, yeah! Oh, puis ça, madame, il dit, c'est de la cervelle de screw. Ça n'a jamais servi. Ah ouais, il fait ça vite, ce soir. Qu'est-ce qu'il fait, le gars, l'autre bord? Quel gars? C'est lui qui est après à se raser. C'est pour un numéro. Une surprise. Oh, hey, t'en veux-tu? Non, non, merci, passe-moi. J'étais jeune à l'école. J'avais des culottes pleines de patchs. Les autres riaient. À 15 ans, je me suis dit, il n'y a plus personne qui rirait. J'ai eu, moi, avec des bêtes culottes. Je m'attendais après de l'aide sociale, moi. De l'argent, quand j'en veux, va m'en chercher. Ton père, qu'est-ce qu'il faisait? Mon père? Il travaillait à Continental Can dans Warehouse. Qu'est-ce qu'il faisait, au juste? Pilait des boîtes. À 50 ans, ils l'ont mis dehors puis ils l'ont remplacé par un lift, ces hosties-là. Quand il est mort, tout ce qu'il y avait à lui, c'est son dentier et un vieux mouchoir plein de morphes. Pas finir comme ça. Tu vas voir que quand on va mettre les pieds sur l'asphalte, ça va donner un nasty coup. King. Écoute-moi bien, mon asti de rat. T'as pas fini avec nous autres, mon asti. C'est deux chiens, tu sais, dans le char de patrouille. Mais deux hosties de chiens, tu sais, des bons pâles, deux affreux, là. Deux chiens finis, tu sais. Ils sont dans le char, puis ils s'ennuient un peu, tu sais. Il y en a un qui dit à l'autre, ils ont foutu. L'autre, il dit, si tu veux. Fait qu'il y en a un qui rouvre la porte, il prend son bâton, il lance, puis il fait, va le chercher. Quand tu faisais un hold-up, la vie humaine, ça te dérangeait pas? Puis ma vie à moi? Tu sais, quand t'es pauvre, à un moment donné, tu te tannes. Tu fais tout pour t'en sortir. Oui, mais la violence... Ça prouve peut-être qu'on a du cœur, hostie. Toi, c'est que tu viens? Montréal. Où ça, Montréal? Notre-Dame-de-Grâce. Hein?
Puis ton père, qu'est-ce qu'il faisait? Il était médecin. Tu vois, c'est ça la différence entre toi et moi. Comprends-tu? Cette petite chanson-là. Toutes les fois, ils me la sortent. 20 000 fois, je l'entends. Ah, ça, je sais pas le cœur. Ils ont tout affigé là-dessus, hostie. C'est ma vie, comme d'autres gars l'ont fini. Renfermé, M. Simard. Renfermé. Il te trouvait renfermé. C'est toute une découverte pour un psychiatre. Ça. Attends, attends. Pas fini. Il me dit, M. Simard, il n'y a rien dans votre dossier. Comment est-ce que vous voulez qu'on vous recommande les libérations conditionnelles? On vous connaît pas. Connaît pas. Tabarnak, fait 6 ans dans la cellule, c'est à côté. Là, là. Il me dit, d'après nos rapports, vous êtes toujours de mauvaise humeur. La baboune à journée longue. Savez-vous comment les gardiens vous appellent? Monsieur Sourire. Monsieur Sourire? Je trouve que ça te va bien, ça, Monsieur Sourire. Là, là, j'en pouvais plus, hein. Je me suis levé de bout, puis j'ai dit, quoi? Ici, vous nous traitez comme des chiens, puis en plus, faudrait qu'on aime ça. Une fille qui va vous empêcher de dormir. Faut regarder, mais pas toucher, la jolie et pétillante Alexandra. Vas-y, c'est à toi. Deuxième partie.
sur le dick. Toi un peu. Pour toi, ceinture. Ça, c'était Noël. C'est ton père qui faisait le Père Noël. T'as chaud? Slow. Les enfants trouvaient slow le Père Noël. Nicole puis Louis. Vous avez jamais reconnu. Depuis le temps. Ça, c'est Jules, c'est le petit dernier. Il était au bout. Il fait de l'as. Il est rentré d'urgence à midi à Sainte-Justine. J'arrive à l'hôpital. J'ai hâte de voir de ses nouvelles. T'arrives à l'hôpital, toi? Ben oui. Mais... tout à l'heure, tu disais que t'en avais plein de cul de ta job. Ben oui. Mais ici, c'est pas pareil. Dans le club, tout le monde s'en crise du show. C'est au moins cher à quelque chose. À sa fête. Hey! Vous êtes pas dans le comité, vous autres? Ah, il est dehors.
petite pute. Mmh, mmh, quand tu bon. Christ, c'est un beau. Je pensais que la salle était pour exploser. Merci. T'as aimé ça? J'ai jamais rien vu d'aussi beau. Après une tournée triomphale en Abitibi et 6 mois consécutifs à l'hôtel Royal de Mascouche, le voici, plus drôle que jamais, le désopilant Méo Mongrain. Enfin, il a mérité un congé. Demain, tout le monde dort! À ce temps-là, ça marche pas fort dans les clubs. Ça fait qu'on fait le tour des centres d'achat avec un lion empaillé. Roland se déguise en dompteur, puis moi, je prends des photos pour la Roy. Ton mari, qu'est-ce qu'il fait d'habitude? Il est en valeur de feu. Il envale des couteaux, des lames de rasoir, de la vitre, n'importe quoi. C'est un screw, il se ramasse à l'infirmerie, il y avait un wah-wah rond qui avait poussé sa tête. Fait que le médecin, tu commences à commencer cette affaire-là, le wah-wah rond, il répond, ben, par un bouton dans le trou de cul. Ah! Oui, mais ça, c'est un show. C'est pas pareil. C'est comme une pièce de théâtre. Dans la vraie vie, je pourrais jamais faire ça. Je suis bien trop gênée. Juste me déshabiller chez le docteur. Oui, mais d'être considérée comme un objet sexuel, ça te dérange pas? Ben, si les autres me considèrent comme un objet sexuel, c'est leur problème. Moi, je suis une danseuse. Tiens. Merci, t'es bien fait. Je suis une artiste. Une artiste? Oui, une artiste. Ça te surprend? Parce que je monte mon cul sur une scène? Non, non, c'est pas ça. En tout cas, moi, je trouve ça moins pire que de se montrer à la face à la télévision, à côté d'une canne de manger à chier. Vous savez ce que c'est, des tapettes? Mmh. Est-ce qu'il y en a ici ce soir? La plus belle. C'est mon tapette qui parlait de réincarnation. Crois-tu ça, ça, toi, chère? Oh, certainement. Puis toi, moi aussi. Il dit, si tu revenais, dans quoi, si tu voudrais revenir? Il dit, moi, je reviendrai en petit mois d'eau. J'irai de branche en branche. J'aurai des petits seins tout autour. Pit, ah! Et qu'on se comprend. L'autre, il dit, à quoi tu veux revenir? Il dit, moi, je reviendrai en cheval, en bel étalon. Et j'irai dans les champs. L'autre, il dit, toi, dans quoi tu reviendrais? En ambulance! Mon Dieu, la folle, elle veut revenir en ambulance. Pourquoi en ambulance? Ben, il dit, quand il y aurait un accident, il m'appellerait, il me rouvrirait toute grande, puis il me rentrerait un homme au complet, puis je m'en irais... Wouh! Hey, une petite fête pour vous autres. Comment est-ce qu'une tapette enlève son condom? À pète! Méo, c'était un asti de bon gars. Je suis content que tu m'aies dit ça. Et pas peur, je vais en parler. J'espère. Oui, Tris, secrétaire, journaliste. Le gars qui t'engage, lui, qu'est-ce que tu penses qu'il regarde? Ton cul. C'est quoi la différence avec moi? Toi, quand les journalistes parlent de freak show, qu'est-ce que ça te fait? Les journalistes, je les ai de travers dans le cul. Assieds-toi donc. Pourquoi tu fais ce métier-là? Pour gagner ma vie, qu'est-ce que tu penses? J'aime mieux faire ça que de travailler dans une manufacture au salaire minimum. Ah, oh, t'as pas toujours fait ça. Non, avant, j'étais dans le fiberglass. Dans le fiberglass? On faisait des pédalos en fiberglass. Le soir, quand je rentrais chez nous, c'était écœurant, hein? Je vomissais comme une vache. Avant ça, j'ai fait 4 ans dans une pâtisserie. Je crémais 2000 mocha par jour. Avant ça, j'ai travaillé comme femme de ménage à Radio-Canada.
La pire place que j'ai faite. Il te regardait comme si t'étais une crotte de chien sur le bord du trottoir. Ça fait qu'à cette heure, branler sa cellulite sur un stage 3 fois par soir. Tu m'excuseras, beauté. Faut que j'aille faire mon make-up. Et la magie, faire disparaître des choses, où t'as appris ça? D'un magasin. Hey, j'ai trouvé ça, Lily. Oui, toi, c'est la plante? C'est ça. Ben, allô, la plante. Allô. On va être 3. Comment ça, 3? Frank m'avait dit que vous étiez juste 2. C'est qui va me payer, là? Ben, tu t'arrangeras avec Frank. Tu lui diras qu'on est à 3. Puis si ça okay, va pas... OK, OK! Viens, on va aller par là. On va être plus tranquille. C'est ça, c'est un paquet de péché tout au dos. Ben, ça, c'est papa avant de partir. Il dit, si tu continues à te crasser de même, tu vas être aussi mec que lui. Yeah! Merci beaucoup, merci. À l'année prochaine, si Dieu veut. Bon, bon, Méo. Merci. Je voudrais vous dire un secret. C'est un secret parce que Méo, il a trop de classe. Moi, je vais vous le dire, son secret. À midi, son fils de 5 ans, il s'appelle Jules, il est entré d'urgence à l'hôpital. Une crise d'asthme aiguë. Mais Méo, il est 17 ce soir. Parce que c'est un pro. Parce qu'il vous l'avait promis. Parce qu'il trouve que c'est important. Méo, mon grand! Tu devrais pas boire comme ça. Je l'aime, Calis. Je l'aime, Steve. Place pour sourire.
petit correctif. Plus dur, c'est pas un barreau. C'est le temps. Le temps qui passe, puis toi, t'es arrêté. La vie continue, mais toi, t'es arrêté. Ils t'ont arrêté. Pour toi, le temps, ça veut dire quelque chose. Tu sais, tu peux dire, ah oui, c'est l'année où je me suis marié, ou bien, c'est l'année où je suis allé sur le bord de la mer. Pour moi, la deuxième année ou la dixième, c'est pareil. Pour moi, toutes les journées sont pareilles. Il se passe rien. C'est ça, la prison. Il se passe jamais rien. Des fois, t'aimerais ça dire que t'attends après quelque chose. Il arrive jamais rien. Mais tout ce qu'on entend sur les prisons, là, les meurtres, les viols... La violence, c'est pas ce que le monde pense en dehors. C'est pas plus dangereux ici que ça arrive sur Sainte-Catherine. La vraie violence, là, c'est que ça fait 5 ans que le vendredi soir pour souper, là, je mange du pâté chinois. Puis je sais que dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, le vendredi soir pour souper, il va y avoir encore du tabarnak de pâté chinois. OK! À ce temps, on va rejoindre une tune composée par un gars 17, Claude Cournoyer! Slashing in war.
Puis les matins, je me lève. J'en peux plus. Ça peut plus continuer. J'ai l'impression que je vais péter aux frettes. Je me demande comment je vais faire pour me rendre au soir, puis je finis par passer à travers. Je sais pas comment. Des fois, je me demande si je suis normal. Un être humain normal peut pas endurer ça. Si tu casses pas, c'est parce que t'es devenu plus dur que la prison. Des fois, je pense que je suis devenu une espèce de monstre. Je suis sûre que non. La première fois que je t'ai entendu, moi, c'était à Val-d'Or. Il y a 8 ans. Je me sens à la brosse depuis une semaine. C'était la déprime à la planche. Ça m'a remonté. J'ai jamais oublié ça. Il faut que tu chantes. J'ai plus le goût de chanter. J'ai plus le goût de rien. Il faut que tu chantes. Qu'est-ce que ça va me donner, hein? Ça me donnera pas mon chum. Mais les gars ici, ça fait 10 semaines qu'ils attendent ça. Tu peux pas y laisser tomber. Moi, avec. Ça fait des semaines que j'attendais après ça, maudit tabarnak de calice! Pourquoi qu'on n'a pas le droit de s'aimer, hein? Ça les dérange, ces calices-là, avec leur calice de règlement plein de marde! Avec leur calice de papier, avec leur calice de chiffres! Je l'aime, ce gars-là. Tu comprends ça? Je l'aime, Calis. J'en rêve la nuit. Je rêve à ses fesses, à son ventre, à ses cuisses. Je t'apprends à capoter, tabarnak. C'est tout ce que j'ai au monde, ce gars-là. Cet astide gars-là. Les sites dans moi. Il est là à côté, puis je peux même pas y toucher à cause de ces maudits bâtards. J'ai compris tôt dans la vie que papa ne m'aimait pas. Et très tôt, je suis parti où l'on voulait bien de moi. Jusqu'au bout de la folie, n'être plus rien qu'un humain. Malgré l'amour qu'on salit, je tremble encore entre vos mains. Avec mon bouquet de misère, à genoux devant les hommes, mes souhaits les plus sincères, bonne fête. Tout ce que j'ai désiré fait mal partout dans mon corps. Même si l'amour m'a blessé, vous restez mon seul trésor.
avec mon bouquet de misère, à genoux devant les hommes, mes souhaits les plus sincères, bonne fête, môme. Moi, je vous écris ces mots, l'amour est ma seule parole, mon désir, mon seul drapeau, votre fils, la grande folle. C'est l'amour qui fait rêver. C'est l'amour qui veut qu'on s'aime. C'est l'amour qui fait pleurer. Mais tous ceux qui croient qu'ils s'aiment, ceux qui font semblant d'aimer. Elle dit que la chanteuse, elle se fait aller à soir. Oui, tous ceux. On en fait à peu près 50 capables. Qui croient qu'ils s'aiment ne pourront jamais pleurer. Dans l'amour, c'est le paradis, ça. Et ce qui... Hey, des grosses queues partout. De l'arme. Ah, ce qu'on va garder. Cochonne de même en prison. Une bénédiction du ciel, ça. Il faut tant t'étendre. De l'arme. Pour avoir le droit d'aimer. Mon amour, ô toi que j'aime, tu me fais souvent pleurer. J'ai donné, donné mes larmes. J'ai pleuré. Qu'est-ce que tu fais, là? Ben, je suis venu porter un micro. Ah ouais, retourne dans la salle, t'as pas d'affaires ici. Correct, correct. Mange pas tes bas. Oups, excusez, mademoiselle. Tu finis par connaître chaque craque sur tes murs, chaque crotte de mouche. T'es, si tu as une idée de ce que c'est en bas, toi, dans la toilette chez vous, une semaine de temps sans sortir. Ouais, comment vous faites pour pas virer fou? Il y en a qui lèvent des poids, d'autres ses livres, des sacoches de cuir, le bon Dieu. N'importe quoi. Moi, je dessine. Toi, tu dessines des oiseaux. Qui c'est qui t'a dit ça? Tes tatous. Basic. Oh, wow! C'est là ce qui m'intéresse, les oiseaux. C'est beau, les oiseaux. Au mois d'octobre, je regarde passer les outardes. Puis je flaire.
Puis, comment tu me trouves? C'est bien beau. Mais si tu veux continuer à poser des questions, t'es mieux de rattacher ta blouse. Parce que les gosses vont m'exploser. Ah ouais, vas-y, hey, toi. Fais ça vite, on va manquer à la danseuse. Mm. Je vais t'attendre à la fois. La grâce, le charme, le talent, le sexe. Et la beauté, from Paris, Lily! Monsieur l'abbé, le striptease? Pas du tout. Au contraire. Bon, puis arrêtez de m'appeler monsieur l'abbé. Je m'appelle Bernard. Vous trouvez pas ça, comment dire, un peu vulgaire? C'est la première fois que vous venez en dedans, mademoiselle? Oui. Moi, ce que je trouve vulgaire, c'est la prison. C'est une machine à scraper le monde, puis ça, c'est vulgaire. Et ces hommes-là sont encore capables de bander devant un corps de femme, ça prouve qu'ils sont encore en vie. Le monde ici, ils aiment comme ils peuvent. Ça fait 11 ans que j'ai pas touché à personne. Le vieux s'en vient.
Tabarnak. T'es crottant, tabarnak. T'es en retard, Calice. C'est chien sale à Trudeau qui voulait pas me laisser passer. Moi, je suis là. Assieds-toi là. Ah ouais, ah ouais! Relax, jeune. Il reste là, le gros chien, on peut pas bouger. Il restera pas là, clavier. On est fait, calice. Faut trouver quelque chose de faire bouger le gros sale. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est pour moi. Bataille? Ah non. Une des danseuses? Attends encore un peu, il va bien finir par s'en aller. Arrête, ça donne rien. Au bout du temps sale, on aurait payé. Arrête!
Tiens, prends ça. Tu vas en avoir besoin. Ben non. Ah ouais, prends-le. Ben non, laissez faire. Prends-le, Calis. Chaque fois qu'on peut les fourrer, ces bâtards-là, c'est une vie de poing pour toutes les autres. Plus vive que l'éclair. Elle pourrait même faire disparaître un screw. Elle est bourrée de talent et de personnalité. Il va leur montrer, moi, que j'étais une fille de party. Bibi! C'est une dizaine de minutes, là. Ça marchera jamais, ça, Calis. Voyons donc, toi, ça va marcher, ce fait-là. Hey, ferme ta gueule, toi, OK? Oui. Ça dépend quoi? Tu me donnerais-tu tes cançons? Et quoi? Une petite culotte. C'est une farce ou quoi? Non, c'est pas une farce, je suis sérieux. Pourquoi? Pour les sniffer, cette affaire. Écoute-moi bien, là. Ça va faire. On va arrêter de niaiser. Dans la salle, à soir, il y a 300 gars qui t'attendent. T'as mal, ben eux autres aussi, ils ont mal. T'as le goût de broyer, ben eux autres, ils ont le goût de broyer 365 jours par année. Là, tu vas arrêter de chialer, tu vas te tenir debout, puis tu vas aller chanter. Tu vas aller chanter pour ton chum. Tu vas aller chanter pour tes 300 chums.
tu devrais marcher. Première chanson, au numéro matricule 71-95. Pour moi, Pierre Boyer. Deadlock à soir. N'hésite pas.
Vous n'aimez pas le spectacle? Il faut que je parte. Vous n'allez pas nous lâcher comme ça, il est juste 10 moins 10. Il n'est pas resté encore un peu, mon chiffre finit à minuit. Vous allez vous conduire? Je vous remercie, mon mari m'attend. Là-bas, bon, au fond. Merci, bonsoir. Vous êtes sûr que vous n'allez pas jamais vous reconduire? Des petites filles pas de poils de 10-12 ans, mon vieux. Pour une bouchée de pain, hein, on s'est payé une crise de traite. Le paradis sur terre. Qu'est-ce que tu veux, hein? Des nègres sont sans cœur en tabarnak. Je pense qu'ils ont un deux vitesses, slow puis super slow. Ben non, non, non. Hein. Mon beau-frère est allé puis il dit qu'il n'y a aucune comparaison. Ben voyons donc, c'est bien plus beau à Haïti. La mer, la plage, le golf, ça n'a rien à voir. Non, il a fait beau tout le temps qu'on était là. Il n'y a pas de gars. Non, mais c'était juste 15 jours. J'ai pris 2 semaines à l'automne pour la chasse. Mais moi, t'es obligé de te lâcher, Jimmy. J'ai quelqu'un ici. C'est ça. Au local du syndicat? Ouais. Salut. Votre nom? Marie-Josée Drouin. Ce sera pas long. Marcel? Ouais, c'est Lalonde au D. J'ai une demoiselle Drouin ici, là. Non, une invitée. Non, c'est pas encore fini. Non, tout seul. Ça va? OK. Non, j'arrive d'Haïti. 15 jours. Il a fait bien beau. Attends une seconde. En arrière, au fond. Merci. Bonsoir. C'est là, c'est peut-être du charru, mais c'est un invité du comité. Puis les invités du comité, on touche pas à ça. Gros Christ de pique, on va t'arracher la tête. Puis je vais chier dans le corps, mon asti. De l'amour.
raconte. Dépêchez-vous de sortir, pas de niaisage. OK, c'est fini. Mangez-le. C'est fini.